à tous. Alors, enfin eu de l'eau l'autre jour. On a eu 42 mm. Je prends le biberon. Et vous voyez, un peu d'herbe canée, des coquelicots, des gaillets, des repousses de blé. Ce qui est un peu embêtant, là, je vois plein de bestioles sauter. On est le 8 octobre et toutes ces bestioles qui sautent, je pense que c'est des cicadelles, mais bon, j'arrive pas à voir si c'est des... Ah si, ouais, il y en a quand même des qui font la maladie du pied chétif. En fait, c'est les cicadelles qui sont jaunes. Et là, elles vont tellement vite. Je sais pas si vous allez les voir. Ici, là. C'est pas évident. J'ai cru distinguer quand même que c'en était. Et là, c'est impressionnant, l'herbe qui est née. Ici, il y avait eu du blé. On avait des chômés et ça avait rien né jusqu'à maintenant. Et là, c'est un taille. On va aller voir un petit peu ce que ça donne quand même. Vous voyez, le blé à la profondeur où il a né, au moins 4 cm là, ce grain. Là, vous voyez, l'herbe est déglinguée. En plus, ils annoncent un bon temps. Et ça va éviter, parce que là, ça va être de l'orge. Ça va nous éviter de faire un glyphosate. Et là, bah, si on va regarder le guéret, je gratte pas trop bas. Vous voyez ma main, 5-6 cm. C'est juste histoire d'arracher tout. Parce que forcément, ça va concurrencer l'orge après, sur pousse. Et un peu mélangé, vous voyez, la paille, c'est pas totalement dégradé. Bon, vous voyez quand même, ça posera pas de problème au semoir. Parce que si ça bourre dans le vibro, et ben ça bourrera dans le semoir. Mais je vois que c'est inquiétant quand même. Il n'y a pas de pucerons, mais c'est que cicadelles là. Ce qui fait dire que faut peut-être pas se mettre trop tôt quand même. Parce que sinon, si on regarde les 42 mm, bon, ça c'est bien tassé quand même. Ça va faire du bien. Et je vois, il y a encore des... On appelle ça, nous, des fils blancs, là, vous voyez. Toute cette herbe, là. Plus, ils annoncent du vent. Ici, là, il n'y a pas trop de régras. J'arrive pas à vous les trouver, c'est bon signe. Ça veut dire que j'avais bien travaillé ici. Ouais, ici ça va, mais un autre champ là, je vous montrerai tout à l'heure, il y a pas mal de régras. Et voyez, hein, là c'était avec Titine que j'avais moissonné. Et en fait, le bas, je l'avais moissonné plus tard et je comprenais pas pourquoi il faisait moins. Et j'ai compris maintenant, il avait grêlé. Malheureusement, il avait grêlé. Bon, ben on va continuer. Hein. Là, pour bien faire, ben, je roule assez vite. En troisième réducté. Vous voyez, ça ne l'occupe pas beaucoup. Ce qui est bien en troisième réducté, ben, 1700 tours. Ça fait du bon boulot. Vous allez voir là derrière. Et en fait, le vibroculteur, pourquoi je vais l'utiliser cette année, bah, c'est ce qui va me permettre d'aller plus vite en débit hectare. Et comme j'avais déchaumé par temps sec, il y a quand même du guéret.
Là, ça s'est retassé, mais le débit de chantier va compter. Bon, j'irai plus vite à faire du glyphosate, mais bon, après, on rend bout de chinte. Je le soulève. Bon, là, je sais pas ce qui s'était passé. Faux semis. Pour une fois, celui-ci c'est un champ à cailler. On le voit là en bordure, il y a moins de. À plus haut, j'avais battu une semaine avant l'orage. Tandis que ici, là, vous voyez, il y a de l'air. Déblaye, hein. Je peux vous dire que je sais pas, je dois faire 4 hectares à l'heure à peu près. Bon, tout à l'heure je suis un peu embêté dans des petites pièces et si on va être dans la pièce de 10 hectares, ça va y aller. Plus le rouleau, en fait, il effleure le sol. Si je fais marcher trop le rouleau, ça arrachera pas l'herbe, elle risquera à repiquer. Bon, là c'est pas que c'est frais, alors c'est frais dessus, alors ça va crever quand même, mais je préfère mettre les chances de mon côté pour que l'herbe crève le plus vite. Parce que ici, alors, je ferai un troisième passage. Je vais pas gratter que deux fois. Parce que là, comme 6 octobre, je sais pas quand je vais la semer, là. Je pense que je semais le blé avant. Mais là, ça va assez vite, hein. Conso hectare, on n'est pas énorme. Ça va faire du bien là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lever de mauvaises herbes comme ça. Et c'était inespéré l'autre jour quand même. Chose derrière, c'est nouveau ce mois. Je vais vous montrer. C'est un DL à disque. Vous voyez, j'ai été dans l'argile et là je viens de passer le long de la palisse là-bas. Au botte un peu, comme on dit chez nous, mais bon, c'est tip top. Vous voyez, ça. Comme c'est fait là, ça bouge pas, il y a un décrotteur et l'élément semeur est derrière. Et vous voyez, j'ai déjà fait un champ d'un hectare et demi et là je suis à 2 hectares 13 à peu près. Là-bas, il y a une réglette en fait pour régler un doseur. C'est un engrenage, c'est à peu près comme mon odé, mais ce qui change, c'est que c'est un pneumatique. Alors il y a une soufflerie d'air qui aspire les grains et qui les amène dans chaque élément dans la trémie. Et je vous expliquerai ça plus tard. C'est bon, là on est en plein dans les semis, vous voyez que c'est frais sans être trop frais quand même. Ça colle un peu au roux, mais
ça va être les conditions idéales. Et j'ai un boîtier à l'intérieur. Je fais un clin d'œil à Alex là de Prodi Center. Merci pour les LED, c'est de la bonne qualité. Je suis content de mon achat là. Ça éclaire bien pour travailler la nuit. Et là-dedans, bah, je peux vous montrer, j'ai fait le plein. Je sais pas si vous allez voir. Ah merde, faut que j'aille. Fait chier ça. J'ai fait le plein, vous voyez. Bah, là, il y a une espèce de pieuvre en fait au milieu. C'est ça qui amène à chaque rang là que vous voyez. Et il y a un jalonneur qui me coupe mes passages de traitement. Là, il y a 500 kg. 500 kg de blé Absalon. C'est un 3 mètres.